Les gars, comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Qui dit Noël dit calendrier de l'Avent. Eh ouais, avec des fois son chocolat tout pourri qui fait pas forcément envie. Bah du coup, j'ai quelque chose pour toi. Game Pack, le calendrier de l'Avent spécial gamer avec des jeux d'une valeur moyenne de 19 euros. Eh oui, du 1er jusqu'au 25 décembre, ton calendrier gamer est là. Ah, des fois ça. Ah, et puis ton foie te remerciera également. Eh oui! Bref, il y a une petite promo sur leur site, 99 euros de base, il passe à 69,99. Les gars, c'est le moment de se faire plaisir. Le lien est dans la description, tu te fais plaisir. Et puis voilà. Les frérots, nouvelle saison sur Forza Horizon 5 et j'espère que vous allez tous très 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 bien. Nouvelle saison, nouveau Forzaton. Et je dois dire Forzaton, mais oui, je reprends les vidéos Forzaton. Elle sera peut-être un peu plus courte que celle que je faisais à l'époque sur Forza Horizon 3. J'aimais énormément faire ces vidéos-là. C'était un peu les vidéos un peu de base de construction de ma chaîne, hein, là où j'ai commencé réellement à faire du jeu de voiture sur ma chaîne. J'ai décidé avec Forza Horizon 5 ben, que voilà, je kiffe le jeu, donc eh ben, je vais continuer, tout simplement. Je vais continuer à faire tout ça. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Moi, pour ma part, encore une fois, un grand plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Et puis voilà. On se retrouve donc avec la saison hiver, donc la saison qui était la semaine dernière. Vous pouvez bien évidemment continuer à compléter les défis quotidiens que vous n'avez pas terminés. Hein, voilà, c'est un petit plus. Bon, c'est tout le temps comme ça, mais voilà, je tiens quand même à le dire pour les personnes qui ne le savent pas. On aura également bah, la nouvelle saison. On a également, c'est pas on aura, c'est on a également la nouvelle saison, la saison du printemps, saison chaude, avec deux voitures à récupérer. Donc une, je me fous totalement, je ne jouerai jamais avec, sauf s'il y a des défis. Hein, voilà, 24 points, tout le monde l'aura, t'inquiète pas. Et bien évidemment, le plus intéressant, et il ne pouvait pas faire plus plaisir à la communauté, la Trueno. Initial D, le drift, les bugs sur Forza Horizon 4 avec cette voiture-là qui pouvait rouler à des vitesses totalement folles. Elle est de retour, et ça fait plaisir. Bref, 44 points, assez facile. De toute manière, ça c'est facile le Forzaton. Allez-y, faut se ruer dessus. On aura bien évidemment le défi hebdomadaire avec la Ferrari 488 Pista de 2019. Hein, pas trop mal comme bagnole, donc je vous la conseille quand même de l'acheter. 320 000 crédits hein, sur le salon de l'auto. Ça vous donne quand même 160 points pour la boutique, c'est plutôt cool, et 5 points pour tout simplement la voiture. Et puis pour les voitures, la Trueno, il faut des points. Donc frérot, voilà, achète. On aura bien évidemment les défis quotidiens, mais ça, c'est comme tout le temps la boutique, on ira la voir après. On récupérera dans ce Forzaton, on récupère des voitures et pas des petites voitures. Hein, déjà, la Ferrari P4, qui est plutôt une voiture qui est quand même assez cool. Une voiture à l'ancienne, on aura également la Ford Fiesta de 81 à récupérer avec l'arène saisonnière. Et pour le championnat saisonnier Midi 12, on aura la Jaguar F-Type à récupérer. Alors moi, personnellement, je ne suis pas très très fan. Mais bon, voilà, c'est quand même, je la prendrai. Voilà. On aura également des tirages, on aura trois tirages au total, quatre tirages par exemple, pardon. On aura trois tirages normaux et un super tirage. On aura également un klaxon de récompense de voiture, donc le klaxon, pardon, vive le vent. Dans les défis, dans les autres défis, on aura également 75 000 crédits à récupérer. C'est plutôt sympa. Mais j'aurais voulu voir un coco un petit peu plus. On aura également la livraison spéciale en Forza Link à récupérer. Et on aura le klaxon de la Cucaracha. Ça va de soi. Avant d'aller à la boutique, je tiens simplement à vous dire qu'il va y avoir un championnat 2 spécial vacances où il y aura des objets à collecter, tout ce qui est bonhomme de neige. On aura également le stade patinoire. On aura le relooking de la map avec les décorations de Noël. Et ça, c'est plutôt cool. On aura des objets aussi à collecter. Bref. C'est plutôt assez cool, vivement le 9 décembre, donc la semaine prochaine. Donc je pense que ça va s'amener du très très gros pour le championnat numéro 2. Parce que là, c'est la fin du championnat numéro 1. Et vous pouvez voir que normalement, si vous avez tout complété, vous pouvez avoir, bah, vous avez forcément eu la Mercedes AMG One ou la McLaren F1, la voiture à 5 euros. Mais ça, vous savez très très bien de quoi je parle. Bref, on n'a pas que ça à aller chercher aujourd'hui. On a une voiture pour tous les possesseurs du pass voiture, pack voiture qui est ici. On a cette petite Mercury à aller chercher, hein, tout simplement. Alors, aller chercher où? Bah, tout simplement, hop,
Hop, on va aller dans le salon de l'auto directement. Et voilà, donc moi j'avais déjà acheté, j'avais oublié. Mais j'ai déjà acheté, vous suffira simplement d'aller chercher gratuitement dans le salon de l'auto. Et puis voilà. La boutique, maintenant en dernier, et non pas des moindres, avec cette Porsche 911 GT1 1998. Elle coûte 2 500 000, donc il est très important de l'acheter avec vos points de la boutique, tout simplement. Elle vous coûtera 600 points. Pour 400 points, vous pouvez avoir également la R8 coupée V10 Plus en quattro. Alors pour moi, j'ai déjà une Audi R8, pardon, qui me plaît suffisamment, donc je ne l'achèterai pas. Vraiment, le plus important, c'est d'acheter cette Porsche-là, qui coûte vraiment très cher. Donc voilà. Ça peut vous éviter de dépenser des points inutilement. Je vous conseille des crédits inutilement. Vaut mieux l'acheter maintenant. On aura également qui achète ça? Je ne sais pas. Des klaxons, des danses, un tirage, un super tirage, pardon. Et on aura un wheelspin normal. Tout ça à faire sur les 6 jours restants. Je pense que là, les gars, on est bien. En tout cas, j'espère que ce petit retour vous aura fait plaisir, les frérots. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la Trueno et pourquoi pas avec la Porsche en test. Ça peut être sympa. En tout cas, dites-moi si ça vous a fait plaisir, un retour des Forzatons sur ma chaîne. Je serais curieux de savoir tout ça, même si je ne m'attends pas à faire énormément de vues sur ce genre de vidéo. C'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour kiffer. Bref, t'as compris, frérot. C'est tout le but. Dans l'espace commentaire, dans l'espace description, vous avez tout ce qu'il faut pour follow la chaîne, que ça soit Twitter, la chaîne, Twitch, et vous avez également les partenaires. Les gars, c'est le moment de se faire plaisir. C'était JCK. Peace!